Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à une grosse crise. À ce moment-là, je choisis pour me faire un petit parler avec nous, clé, tant que nous sommes sur un sujet qui préoccupe nous tous sans être émotion. C'est causé insécurité. Le groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de zones métropolitaines et plusieurs autres côtés dans le pays à Kankou la Tibonite. Le groupe Mounzaïo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie, chaque jour dans Port-au-Prince, tourne une bataille pour survivre. La famille a vécu dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si vous n'avez pas l'école encore, le business, vous fermez les portes. Et puis l'hôpital avec la santé, vous avez abandonné. La rue capitale noire, vous avez tourné un champ de bataille, côté un pile innocent perdu la vie. Et côté l'espoir, vous avez semblé beaucoup prêt pour bouger. Le groupe criminel, vous pas seulement la guerre la troubaille dans la vie chaque jour, mais ont affecté l'économie pays à tout. Routes commerciaux bloquées, chaînes d'approvisionnement perturbées, et puis investisseurs sont tellement découragés, ils n'ont pas intéressé à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. Ça qui a créé l'économie pays en dégradation. Ça a créé plus de pauvreté et de chômage, et la guerre compatriote, deux bras pendus, sans espoir. Impact humanité a même, c'est pas parlé. En pile milliers de monde qui te caillé pour aller prendre refuge, soit caillé amis, ou bien un parent, et surtout nous, ouais ça, dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec monde déjà. Car déjà, utilisé comme une âme pour contrôler communautaire. Femmes actives en particulier, ces victimes principales crime ça. Ils ont souvent kidnappé, violé, et puis forcé à faire ça, ils ont battu des faits en bas menant ZAM. Zak sa yo, ils ont quitté mac physique, ak psychologique, qui a duré longtemps, pas seulement sous victimes directes, mais tout sous famille et communauté. Système santé, qui était déjà faible, vient plaire à victimes de violence et à monde qui a souffert. À cause de l'effet direct tout problème ça yo. Insécurité alimentaire paraît clair. Ak pourcentage malnutrition ka augmenté plus tous les jours. Situation tragique ça vin pi grave ak un climat impunité côté justice là paraît un rêve. Corruption ak la pérèse envahit institution yo qui fait les vin pi difficile pour autorité yo répondre avec efficacité. La justice vient de grosses difficultés pour appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à faire le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince. C'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce moment, je viens annoncer que moi, avec le support du Conseil présidentiel, pour mettre en application un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays, une fois pour toutes. Initiative pour marquer un gros virage dans la bataille contre le calvaire. Yo c'est résultat plusieurs semaines de planification ak discussion ak police nationale d'Haïti qui supportée par Kenya, l'armée d'Haïti ak service renseignement yo à travers pays. Autorité pays a jodi a premièrement décrété état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang yo. État d'urgence là pour le gouvernement outils et instruments nécessaires pour agir, couper bandits
et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y ait, moi j'ai des populations dans les communes qui concernées pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a vint de temps en temps et gouvernement, de gouvernement seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans moment difficile ça yo, il est important pour nous rester jam unis et puis disciplinés. Collaboration et engagement nous important en pile pour nous traverser crise ça avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. M'a profiter dit nous tout pendant m'a saluer gros travail journaliste surtout dans médias sociaux. Cap couvrir sous qui gens la police acclamé à protéger population m'a demandé yo éviter faire reportage cap bay bandi yo information sous position force l'audio à qui gens opération yo a déroulé quitte reportage ça en direct quitte li pas en direct. Deuxièmement, moi mandé PNH à support force Kenya yo à force la Médaïti pour commencer tip à tip à déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établis. Objectif final, là, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, je demande au ministre de la Justice là, pour faire tout ce possible pour renforcer, pressé, le système judiciaire. Là, pour ne pas continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, mais c'est pour tout mitan n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, là, pour combattre la corruption, et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit le statut, lui, est égal devant la loi. Pour finir, je vais lancer le jour qui est venu là, une campagne nationale sensibilisation sur sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour sécurité zone. Nous pouvons encourager coopération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là. Mais elle pas facile. Et m'a tout dit nous, li pas rapide. Moi je voulais mettre ça clair dans tête nous. Exemple pays dans le Salvador, Colombie, Jamaïque qui gagne 10 fois plus ressources que nous. Confirmez nous que bataille pour mettre un pays dans état normal li mande temps et participation toute société. Mais songez tout moi toujours dit nous Haïti pas péri et Haïti pas perdu bataille ça. 1804 mariage la main indigène nan ak population te ban nou indépendance. En 2024 ça nous doit réaliser mariage force Claudio ak population pour libérer Haïti en bas main toute qualité bandi k ap touye violé et puis appauvri malheureuse ak malheureux. Moi vle di nou tout côté nous embarqué là, pas rien faire bac. Timoun, pas entrer le gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre destin pays nous en main nous. Haïti libre ancêtre nous, te bail ak mouri pou li a, pas seulement pour génération pa nou. Chaque génération a une responsabilité devant l'histoire pour le bataille, pour le kembe liberté ça. Et puis pour le remettre les mains dans la main by l'autre génération qui a fini by petite li et by petite petite li. Pour patriote moi yo, objectif nous aujourd'hui est clair. C'est pas seulement retourner pays à Jean il y a quelques années avant, mais c'est démarrer li une fois pour toutes vers Haïti ça que nous toutes nous rêvons de lire. Et c'est vrai que en pile circonstances qui a obligé un pays mandé l'autre pays aide surtout dans affaires crise humanitaire, dans crise sécurité. Mais aucune génération pas de
sous-traité Jean li doit bâtir caractère nation li Jean li doit mettre campé ou l'état jam cap bay service route la pas long en pile pas grand pile pèlerin capitaine en pile mauvais paroles en pile fake news pour décourager nous pour laguer sous réseau moins rete quoi que grâce à détermination nous toutes n'a réussi quand même ensemble nous pour bâtir en Haïti qui pi en sécurité qui pi juste et qui pi prospère bon dernier petit parole pour bandir j'en te dit ça déjà déposer les armes nous reconnaître autorité l'état créole parler créole comprendre que grand maître la béni Haïti et puis guider nous la mission noble ça merci en pile.